Comment tourner votre téléphone Android en iPhone 12 Pro complètement? Salut les amis, bienvenue sur Technique Facile. Sur cette chaîne, je publie chaque semaine des nouveaux tutoriels pour vous aider à améliorer votre quotidien. Alors, si vous regardez mes vidéos pour la première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Les amis, je vais vous montrer comment tourner votre téléphone Android en iPhone 12 Pro complètement. Mais ce système ne marche pas quand vous ne faites pas ces paramètres de configuration. Donc vous devez suivre la vidéo jusqu'à la fin pour que je puisse vous montrer ce qui fonctionne vraiment. Parce que vous pouvez même télécharger juste, comment on appelle ça, la hauteur. Mais je vous assure que dans certains téléphones, ça coupe. Donc, il va bien afficher que vous êtes sur iOS, mais je vous assure que ça va couper. Parce que j'ai fait des recherches sur ça. Donc là, je vous montre un truc qui fonctionne vraiment. Donc, allons-y. Voici donc mon Android que j'ai transformé en iPhone 12 Pro complètement. Vous voyez bien, voici les applications. Ok. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait. Pour cela, on repart sur le mode Android. Vous voyez bien, c'est mon téléphone Android que je viens de transformer en iPhone. Okay. Nous allons partir sur le Play Store. Voilà, sur le Play Store, téléchargez cette première application. Je vais laisser les liens dans la description ou bien vous pouvez juste taper sur le Play Store iOS 14 Launcher. Téléchargez cette première application. Sans elle, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre téléphone Android en mode iPhone 12 Pro. Voilà. Ensuite, téléchargez cette deuxième application, Centre de contrôle iOS. C'est une nouvelle application. Grâce à elle, vous allez pouvoir contrôler votre téléphone Android tourné en iPhone. Centre de contrôle iOS 15. Ensuite, dans la barre de recherche, tapez lock screen. Lock screen et notification. Je vais laisser les liens dans la description ou bien vous pouvez aller directement sur le Play Store et taper lock screen et notification iOS 13. Voilà, téléchargez cette première application. Donc, le carré rouge avec un point blanc. Celle-là aussi, le carré orange avec un point blanc. Donc, n'oubliez pas de télécharger cette première application. Sans elle, vous n'allez rien faire avec votre téléphone. Téléchargez aussi celui-là, le carré orange avec un point blanc. Je vais laisser les liens dans la description. Ce qui nous fera en tout 4 applications. Hein? Les autres applications, là, vous n'allez pas voir ça sur votre téléphone. Donc maintenant, pour utiliser, vous appuyez le gros bouton de sortie pour atterrir sur l'écran d'accueil. Vous aurez cette page, appuyez sur iOS Launcher. Voilà. Ensuite, appuyez sur une seule fois. Voilà, mon téléphone Android est devenu un iPhone. Vous voyez. Téléphone Android s'est transformé en iPhone 12 Pro. Maintenant, pour pouvoir utiliser les autres applications que nous venons de télécharger,
Parce que sans elle, vous n'allez rien faire. Vous allez dans les paramètres ici. Voilà. Voilà. Il y a le carré rouge avec le point blanc. Vous appuyez dessus. Après, vous aurez ces paramètres. Puis, vous aurez aussi les paramètres du carré orange avec le point blanc. Donc, ici, vous pouvez paramétrer votre iPhone pour que ça puisse pas bugger. Ok. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, laissez un like et partagez.